Comment se repérer sur un beat? Comment se repérer sur un instrumental? Peut-être que jusqu'à présent, tu rappes ou tu écris sur des textes sans vraiment savoir où se situent les éléments comme le refrain ou le couplet. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de régler ce problème une fois pour toutes et savoir comment et où te repérer sur un instrumental. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs qui s'aident déjà eux-mêmes. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te recommande de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo comme celle-ci. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, description de cette vidéo, vous avez accès à 1 heure de formation gratuite, que ce soit sur la composition de texte ou sur le flow. Et spécialement, jusqu'au vendredi 21 juin, vous avez l'accès à la formation complète Lyrics illimité à son tarif de lancement. Donc profitez-en pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et passer au niveau supérieur le plus rapidement possible. Alors, comment se repérer sur la prod? C'est une très bonne question et c'est une question qui m'a été posée par Ali. Et donc, j'ai tenu à répondre à cette question en vidéo, en faisant une vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une question que beaucoup de self-made artistes se posent. C'est aussi une situation que j'ai connue auparavant. C'est-à-dire que, vas-y, je partais sur l'instrumental. Je cherchais même pas à savoir où était le couplet, où était le refrain, ni quoi que ce soit. Je faisais à la vibes. Donc, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là et que tu souhaiterais un petit peu mieux identifier à quel moment poser quelle partie, quel élément de ton texte. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour cela, je vais te donner 3 astuces pour être serein et comprendre la structure d'un instrumental lorsque tu l'entends, même lorsque c'est la première fois. D'accord? Donc, c'est parti. Go! La première astuce pour bien se repérer sur une prod, un beat ou un instrumental, c'est de connaître justement tous les éléments qui composent une chanson. Alors, j'ai déjà plusieurs vidéos sur le sujet, c'est-à-dire que si tu me suis ou bien si tu me découvres, tu peux aller voir ou revoir ces vidéos-là où je parle du refrain, je parle du couplet et je parle de la structure de texte. Donc, concrètement, dans un texte, il y a 5 éléments de base, je dirais. Premier élément, tu as une intro. Deuxième élément, tu as un refrain. Troisième élément, tu as les couplets. Donc, tu peux avoir 2 couplets ou 3 couplets. Ça dépend de ton style, ça dépend de ta créativité, ça dépend de ce que tu veux faire. Alors, tu as également le bridge. Et le bridge, on le traduirait par le pont. Donc, c'est une partie de l'instrumental qui. Enfin, c'est une partie de ton morceau qui fait une transition entre le début et qui annonce un petit peu la fin de ton morceau, tu vois. Et tu as l'outro, ce que je vais appeler l'outro, ou bien la sortie, la fin de ton morceau. Comment est-ce que tu veux que ton morceau se termine? Ok? Donc en général, voilà, tu as ces 5 éléments-là. Le bridge, c'est pas forcément un élément obligatoire. Par exemple, dans le rap, il n'y a pas forcément, il n'y a pas souvent de bridge, mais il y en a plutôt dans la pop. Il peut y en avoir également dans le R&B. Ou dans d'autres styles, je sais que dans le zouk également, il y a des bridges, etc., etc. Donc déjà, rien qu'en sachant que voilà, il y a 5 éléments, dont le bridge qui n'est pas obligatoire, tu peux considérer que tu en as 4. À partir de ça, tu sais concrètement que voilà, dans un instrumental, il y a également ces 4 éléments ou ces 5 éléments. D'accord? Donc à partir de ça, en écoutant un instrumental, tu peux déjà te dire que boum, ça vient de commencer, le son il vient de commencer. Alors, ça va être l'intro. D'accord? Ensuite, il y a un autre élément qui va suivre l'intro, que ce soit le couplet ou le refrain. Et par la suite, entre chaque couplet, tu vas avoir des refrains. D'accord? Donc, c'est comme ça que se construit une chanson de base. Donc, là, je parle de l'aspect, en tout cas, de l'aspect du rappeur, celui qui va écrire. Et le beatmaker, lorsqu'il fait une instru, ben, c'est calqué à cette structure-là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une intro, il y aura toujours un refrain, il y aura toujours des couplets et il y aura toujours un outro. Et en option, il peut y avoir un bridge. D'accord? Alors le deuxième conseil ou la deuxième astuce que je veux partager avec toi, c'est de savoir et de pouvoir compter les mesures. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, pas de panique. J'ai une vidéo sur la chaîne où je te montre concrètement comment compter les mesures. Alors pourquoi est-ce que c'est important de savoir compter les mesures? Tout simplement parce que, voilà, les mesures, comme son nom l'indique, c'est une unité qui va te permettre de mesurer la durée d'un élément de ta chanson. Alors, pour faire un récapitulatif,
un refrain, en général, ça dure 8 mesures. Un couplet, en fonction du genre musical, peut durer 8, 12 ou 16 mesures. Et l'intro peut durer 4 mesures ou 8 mesures. L'outro, de la même façon, peut durer 4 mesures ou 8 mesures. Et le bridge peut durer 8 ou 4 mesures également. Ouais, tu vois? Donc, à partir de ça, le fait de pouvoir justement compter ces mesures, ça te permet de mesurer, de compter, de calculer la durée de chaque élément de ta chanson. D'accord? Que ce soit le refrain, le couplet, l'outro, l'intro ou le bridge. Je les mets dans le désordre, mais tu m'as compris de toute façon. Ok? Donc voilà, ça va être très important de pouvoir compter les mesures. Comme ça, tu sauras que voilà, t'écoutes ton instrumental, boum, ok, d'accord. Bon, le refrain, c'est un refrain de 8 mesures. Ok, le couplet commence. Ok, tu comptes les mesures. Tac, tac, tac. Et tu dis, ok, ça c'est un couplet de 16 mesures. D'accord? Et ainsi de suite. Comme ça, dans ta tête, tu sais concrètement, tu connais la structure de l'instrumental que tu es en train d'écouter. Et c'est ça le but. C'est pour ça qu'il faut savoir compter les mesures et ensuite compter les mesures de chacun des éléments de ton instrumental. Et de cette manière, tu vas pouvoir t'adapter, tu vas pouvoir adapter ton texte à l'instrumental que tu as choisi. Alors la troisième et dernière astuce que je veux partager avec toi, c'est pas vraiment une astuce parce que je pense que c'est quelque chose que tu fais déjà instinctivement et on l'a tous fait instinctivement, c'est-à-dire de se repérer même sans compter les mesures, mais tout simplement en écoutant l'instrumental. Donc, lorsqu'on écoute l'instrumental, on peut repérer différentes choses dans le sens où, par exemple, il y a des parties qui sont plus mélodieuses que d'autres, il y a des parties où il y a moins d'éléments que d'autres, etc., etc. Et donc, tout ça nous donne déjà pas mal d'informations sur où on en est dans l'instrumental. D'accord? Donc, pour faire simple, les parties les plus mélodieuses où il y a le plus d'instruments, c'est tout simplement le refrain. D'accord? Donc ça peut être le refrain, ça peut également être un bridge, mais on verra le bridge plus tard. Mais en général, quand il y a beaucoup, il y a le maximum d'éléments, quand je dis le maximum d'éléments, quand il y a le maximum d'instruments, quand il y a pas mal de mélodies, on peut considérer d'entrée que c'est le refrain. Et la partie où il y a moins d'instruments, où c'est plus épuré, et ben là, on est dans le couplet. D'accord? Après, parfois, dans les couplets, le beatmaker peut faire apparaître certaines mélodies, mais ça reste toujours moins chargé qu'une partie refrain. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je pense que tu as déjà capté lorsque tu écoutes ton instrumental. Mais voilà, je tenais vraiment à le repréciser pour que, voilà, pour gagner de l'assurance, pour te dire que, ok, toi, tu penses comme ça, mais c'est vraiment ça. D'accord? Donc, j'espère te rassurer avec ce conseil-là. Et pour l'intro et l'outro, bon, ben, on le sait tout simplement, l'intro, c'est forcément les 4 ou 8 premières mesures du morceau. Et l'outro, c'est forcément les 4 ou dernières mesures du morceau. D'accord? Le bridge, lorsque tu as une instrumentale avec un bridge, le bridge, comment ça se présente? Ben, ça va être aussi mélodieux qu'un refrain, mais la mélodie, elle sera différente. Elle fera comme une sorte de transition pour t'emmener vers la fin du morceau. Voilà, donc c'est une mélodie qui est différente, mais pas si différente que ça par rapport au refrain. Tu vois? Ou alors il y a un instrument en plus. Ou alors il y a ce qu'on va appeler une nappe. Donc un instrument planant en plus pour faire concrètement la transition et basculer vers la fin du morceau. D'accord? Donc voilà pour ces trois conseils. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. On va aller voir sur justement YouTube. Je suis allé encore une fois sur la chaîne de mon gars MK Rastrap et j'ai sélectionné une instrumentale et on va voir ensemble comment justement on peut se repérer sur cette instrumentale. D'accord? Alors c'est parti, go! Donc on va s'écouter ça une première fois et ensuite on va revenir dessus. Donc là je suppose que c'est l'intro. Ah, c'est le début. Là, pour moi, c'est un refrain. Ok. Il y a pas mal de mélodies. C'est la suite du refrain. La deuxième partie. Et là, normalement, c'est plus épuré. C'est le couplet qui va commencer.
Un couplet. Tac. La couplet continue encore. Il y a une petite mélodie, mais c'est pas la mélodie complète qu'on a pu entendre dans le refrain précédemment. Là, pour moi, je crois que c'est un refrain. Il y a la petite mélodie là, derrière. Je sais pas. Finalement, c'est là le refrain. C'est encore dans le couplet. Donc, c'est un couplet de 16 mesures. Là, c'est le refrain. Deuxième partie du refrain. Et donc là, on retombe dans le couplet. Tu vois, c'est plus épuré, il y a moins de choses. Là, c'est ta voix, c'est toi qui donne le style, c'est toi qui donne le reste, tu vois. Toujours le couplet, avec la petite mélodie. Sans qu'il y ait tous les éléments. Là, c'est toujours le couplet. Là, il va casser. Et c'est la fin du couplet. Il a mis la même structure dans son premier couplet que dans son deuxième couplet. Et là, le refrain démarre. Let's go! Je veux voir, banana. Je veux qu'on me maille, banana. Tu vois? Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre et là, on va compter justement les mesures pour savoir vraiment quelles sont. Quelle est la durée de chaque élément, ok? C'est parti. Comme c'est dit, là, on va recompter les mesures et on va voir quelle est la durée de chacun des éléments, ok? Go. 1, tac, tac, tac. 2, tac, tac, tac. 3, tac, tac. 4, 4 mesures l'intro. 1, le refrain. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 12 mesures. 1, 2, 3, 13. 1, 2, 3, 14. 3, 15. 1, 2, 3, 16. Refrain. La refrain, on sait que c'est 8 mesures. Et le deuxième couplet, c'est la même chose, 16 mesures. Donc voilà comment on se repère dans une prod. Ok? Alors voilà pour la démo de comment. Justement se repérer sur l'instrumental et comment tu peux compter les mesures en même temps pour justement évaluer la durée de chaque élément de ton instrumental et bien comprendre la structure de cet instrumental. Si il faut réviser un petit peu le fait de compter, s'il faut réviser un petit peu les notions de mesures, etc., je te renvoie sur ma vidéo intitulée « Comment compter les mesures ». Voilà, ça va soit te rafraîchir les idées, soit te montrer concrètement comment on fait. Donc, j'espère que tu as eu beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un like, laisse-moi des commentaires.
N'hésite pas à partager avec d'autres artistes autour de toi qui, sans doute, auraient besoin de ce genre d'astuces, de ce genre de conseils. Et n'oublie surtout pas qu'en lien de cette vidéo, tu as un accès à 1 heure de formation offerte, que ce soit sur la composition de texte ou sur le flow, et que jusqu'au 21 juin, vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique, bah, tu as accès à la formation complète Lyrics illimité au tarif de lancement. Donc, il te reste une semaine pour en profiter. Après cette date, le programme de formation reprend son tarif initial. Donc, profites-en. N'attends pas le dernier moment pour en profiter. Bien sûr, je serai heureux de te retrouver de l'autre côté dans la formation. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, go!